Bonjour à tous, merci de nous rejoindre, vous avez fait le bon choix, nous allons jouer dans un instant une quatrième partie aujourd'hui pour Vivien qui est avec nous. Bonjour Vivien. Bonjour Laurent. Ça défile. 3 victoires déjà à votre palmarès. Ouais, ça va. Le temps passe vite pour vous parce que, voilà, ouais, les durées de réflexion sont courtes mais les matchs sont peut-être longs, c'est ça. Et les comptes en eux-mêmes sont très courts. C'est mal proportionné tout ça, hein. Quand le match paraît long et que les durées de réflexion sont courtes. Les mots de la fin, comment ça s'est passé la dernière fois? Il y a un qualificatif qu'on peut retenir, c'est la régularité de votre côté, parce qu'à chaque fois, 300. C'est 300 euros. Ouais. Je ne sais même pas si on va les jouer. Si vous faites les mots de la fin, on va vous donner 300 euros. Oui, on va puis pas voilà, jouer les mots ça de sera la fin. Fait. Hein. Bon, on va essayer d'augmenter quand même, si je peux arriver jusque-là. Ça serait bien. Oui, parce qu'il y a un obstacle. Voilà. Montant total de vos gains, donc on a dû le voir, vous êtes à 900 euros pour le moment, Vivien. Et nouveau match aujourd'hui, c'est Clément qui nous a rejoint. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Heureux de vous accueillir. Vous êtes déjà passé par chez nous, avec succès oui. Ou pas? Non, de courtes défaites. Ah, c'est peut-être l'explication. Voilà. Hein, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Vous venez du Maine-et-Loire? C'est ça, de Trélazé, dans la banlieue sud-est d'Angers. Il y a des ardoises à Trélazé. Exactement. Mmh. Voilà, oui. Dites ça parce qu'il s'appelle Couvreur, c'est son nom de famille. Ah, ah ben ça vient peut-être de là. Vous oui. aviez dit ça il y a 4 ans déjà. Ah. Oh, mince. Ah zut. Et vous avez de la mémoire là, en plus. Cassé, oui. Cassé. J'ai ça signifie bien. Qu'il habitait déjà à Trélazé. Occupez-vous de Clément, je ne lui parle plus. Allez-y Bertrand, faut pas interviewez-le. Que, oui, on vous entendait parler de foot par exemple, donc vous êtes passionné. Oui, c'est ça, je suis... joueur, arbitre, bénévole et dirigeant dans mon club. Bon, ce sont des, tout en bas de l'échelle de... Ce sont des petits jeunes ou ce sont... Non, des seniors. Des seniors. Bon, en ce moment, il n'y a plus grand-chose, mais... Ah oui, eh oui. C'est quel âge, senior? Bah, c'est de 18 à... Ah oui. Beaucoup. Oui, voilà, donc nous, on vétérans, est... ça n'a pas ta bah, oui. Nous, on n'a pas d'équipe vétéran, mais nous, en senior, on a un joueur de 53 ans qui va re-signer la saison prochaine. Donc, et Dinosaure, c'est à partir de quand? Est-ce que je vous avais proposé un sésame déjà il y a 4 ans? C'est fort possible. Ouais, je me répète, je sais. Ouais. Sésame de lettres pour vous, Clément et Vivien. Ça, c'est nouveau. Le 10 lettres à trouver le plus vite possible. C'est parti. A, T, S, C, I, R, C, T, E, I. Cicatrice. Ah oui. Ah. Des cicatrices. Non, citatrice. Ah, citatrice, mais pourquoi j'ai dit cicatrice? Non, mais je vais pas. Ah oui, cicatrice, c'était hein. beaucoup plus simple. Ah, mais citatrice, mais oui. dites donc, citateur, citatrice. Ah bah c'est quelqu'un compliqué. Qui cite. Mais oui. Bah oui. Je ne sais pas. Bah j'ai oui, voulu mais... voir cicatrice. Bon, je vais pas très bien en ce moment. Quand on est ouvert ici, c'est une citatrice. Oui. D'accord, ok. Oui, effectivement, il était plus compliqué qu'on ne le pensait. Quelqu'un qui fait des citations, oui. Bah oui, c'est pour ça, c'est pas très connu. Oh là pas là. De sésame. Oui, c'est une personne qui fait une citation, tout simplement. Ariel Bertrand, on va pas en parler pendant 20 minutes, on va jouer. Non, on passe. On va jouer. Pour voilà. tout, joignez les tablettes, pas de sésame attribué. Première manche. Clément, combien de voyelles? On va dire 5 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. A, E, I, N, Q, N, B, M, A, A. Clément. Que 6. Vivien. 6 aussi. Allez-y en 6, Clément. Banni.
Oui, Vivien avait un autre mot. Banane. Banane, qu'est-ce qu'il y avait? Banyan, bananis, banané. Et un 7 lettres, Bertrand. Oui, le bamanan, c'est une langue, alors on la connaît mieux sous un autre nom, qui est le bambara, c'est une langue africaine, oui. Voilà, chez les mandingues, du côté du Mali. Merci bambara, Bertrand. Bambara ou bamanan. Mot de 6 lettres pour Vivien et pour Clément, les points associés d'égalité. Pour le moment, voici un coup de chiffre. 8, 4, 9, 100, 2 et 7. 879. L'avez-vous, Clément? Le compte est bon. Vivien? Le compte est bon. Allez-y, Clément. 100 moins 2, 98. Fois 9, 882. 7 moins 4, 3, que je retranche. C'est ce qu'avait fait Vivien. Bravo à tous les deux. Très bien, 10 points supplémentaires. L'égalité toujours. À Vivien de choisir maintenant pour le mot le plus long. 4 voyelles, s'il vous plaît. T, M, A, C, T, A, O, Y, H, Z. Allez, non. Bon. Vivien. 5. Combien, Clément? La même chose. Vivien en 5. Achat. Oui, un autre pour Clément. Macho. Absolument. Oui. Il y avait hamac. Qu'est-ce qu'il y avait? Match. Deux mots. Et deux mots de 6 lettres. Matcha, qui est oui. Du thé vert. Oui, c'est très à la mode maintenant, le thé oui. Matcha. Hein, vous savez qu'on fouette le thé qu'on fouette à la japonaise. Ouais. On voit ça partout. Très bien. Et le compta? Et le compta venaissin, on en a parlé hier à propos de Carpentras. Absolument. Voilà, équivalent de compter. Mm. Voilà, ça culminait à 6 lettres, pas plus sur ce tirage. Il était bien compliqué. Vous êtes restés à 5. Clément et Vivien, les points pour vous. Voici du calcul maintenant. 7, 3, 25, 1, 8, 4, 145. Vivien. Le compte est bon. Clément. La même chose. Allez-y, Vivien. 7 moins 1, 6. 8 moins 3, 5. 6 fois 25, 150. Moins 5. Un peu différent pour Clément, mais tout aussi valable. Bravo. Très bien pour ce 145. Tout va bien pour vous, coude à coude. Match à égalité pour le moment depuis le début de cette partie. 4 coups ont été joués. C'est un coup de lettre qui vient maintenant. C'est Clément qui va choisir. On va rester sur 5 voyelles. Tirage. D, S, S, A, A, M, L, I, E, et I. Clément. 8 lettres. Vivien. 8 lettres aussi.
Le 8 de Clément. Maladie. Vous l'aviez tous les deux. Il y avait asialie, l'absence de salive, qui est pathologique. Oui. Malaise ou malaisé. Enfin. Oui, très bien. Et c'était bien. 8 hein, dans tous les cas. Au maximum. Très bien. C'est bien joué, Vivien. Bravo, Clément, aussi. Ça se tient, tout ça. 39 partout pour le moment. Voici du calcul. 2, 5, 1, 2, 8 et 10. 756. Clément. 758. À deux près. Et vous, Vivien ? C'est très, très bien. Allez-y, Clément. 10 fois 2, 20. 20 moins 1, 19. Fois 8, 152. Fois 5, 760. Moins 2, 758. On n'a pas osé faire le 108 fois 7. C'est idiot. Ben, si. Enfin, vous avez, on a cherché, mais on n'a pas trouvé. Vous avez réussi, vous ? Non. Non, non, je vous laisse faire. Bon, alors, 10 plus 2, 12. 8 plus 1, 9, 5 plus 2, 7, voilà les bases, 12 fois 9, 108 fois 7, c'est du Renardo, bien sûr. Pas calculé non plus, hein. Voilà. Il a l'idée, la démarche. Oui, c'est ça, il a la démarche, et puis après... Il y a les petites mains qui font le travail. Oui, c'est ça. Bah, c'est votre boulot, hein. Je ne vais pas non plus vous le piquer. Allez, c'est un compte approchant, mais, ouais, mais c'est un compte important pour Clément, oui. Parce qu'il permet de faire la différence, ce compte approchant. Les 7 points qui vont avec, et donc vous passez en tête, là, maintenant, 46 à... 39. Tiens, on va parler un peu de vos phobies. Alors, ça, c'est assez courant. Le vertige pour vous, la hauteur, ouais. Vous n'aimez pas ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous avez tenté quand même de résoudre le problème en disant, bah, faut que j'y aille. Vous avez traversé un pont, c'est ça, au Costa Rica ? C'est ça, un pont suspendu. C'était même plusieurs ponts suspendus qui faisaient jusqu'à 100 mètres de distance et jusqu'à 60 mètres de haut. Ouais, c'est pas mal. Et bon, en y allant progressivement, ça passe. Le problème, c'est que ça bouge. Ça bouge un peu. Après, c'était pas les ponts de singe en bois et cordes qu'on peut voir, mais... Non, non. Pas de crise de panique. Non. Non. Et toujours les autant moites. Le vertige ou un peu moins? Je pense toujours autant. Toujours autant. Ouais, il va falloir y retourner. Alors vous, c'est moins courant, la vie doit pas être facile. Non, c'est... Vous avez peur des chiens, des chats? Ouais, c'est ça, les animaux de compagnie, j'ai du mal avec ça. Ah oui? J'essaie de me contrôler maintenant que j'ai ma fille, mais c'est... Oui, mais vos chiens, c'est pas tout chien. À fait les mêmes animaux. Et les animaux de compagnie, c'est aussi les poissons rouges. Oui, enfin... Ça va, les poissons rouges. Enfin, ceux-là, je ne sais pas, je les fréquente pas régulièrement. Non, mais les chats, vous ne pouvez pas. Non, 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 c'est surtout les chiens. C'est bien de le dire, oui, parce qu'il y a des gens qui sont phobiques, des chiens. Hein. Oui, non, mais on a l'impression Allez. Que c'est presque... Vivien, combien de voyelles ? Honteux de le dire. Voilà. 4 voyelles, s'il vous plaît. A, E, L, H, N, N, A, E, P, S. Vivien. 8 lettres. Clément. Que 7. En 8, Vivien. Des phalènes. Oui, et un autre. Est-ce que planer avec deux N? Non, c'est un très difficile. Analepse, c'est le flashback, en fait. C'est quand on retourne en arrière dans un récit. Le contraire, c'est prolepse, quand on fait une anticipation. Donc, il n'y aura pas les deux points de bonus. Et les phalènes, c'est masculin ou féminin, phalène. C'est un grand papillon nocturne. Mmh. Oui, très bien. 8 points, vous les marquez seul, Vivien. Le retour de Vivien, qui reprend la tête, là, maintenant, avec un point d'avance. Score de 47 à 46. Le compte est bon. 7, 5, 5, 3, 1 et 6. 132.
Vivien. Oui, le compte est bon. Clément. Le compte est bon. Le calcul de Vivien. 3 x 7, 21, plus 1, 22, et 22 x 6. Voilà, 22 x 6 aussi pour Clément, autrement, 12 x 11, 150 moins 18, etc., etc. Beaucoup de chemin. Ouais. Et les 10 points supplémentaires, toujours le point d'avance pour Vivien. Il reste encore deux coups à jouer dans cette première manche. C'est donc Clément qui choisit maintenant. On va dire 3 voyelles, s'il vous plaît. Tirage. U, C, H, D, E, S, U, C, R, Q. Clément. 7 lettres. Vivien. 7 aussi. Le 7 de Clément. Cruche. Vous l'aviez tous les deux. Ma cruche, c'est moi quand je dis yak au lieu d'yote. Hier. Oh voilà. Non. Ah bah non, si. Mais attendez, ça arrive à tout le monde. Si. Non, 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 dis pas ça. Pas je ça. Le dis. Bah non. Enfin, c'était le seul en même temps. Oui, c'était ça. Le seul 7 lettres. Les points, 7 exactement pour Vivien et Clément. Qui va terminer cette première manche en tête? On va le savoir après ce coup de chiffre, le voici. 2, 2, 8, 1, 50 et 3. 266. Clément. Le compte est bon. Vivien. Le compte est bon. Allez-y, Clément. 3 plus 2, 5, fois 50, 250, 8 fois 2, 16, que j'ajoute. C'est ce qu'avait fait Vivien, Renardo et tout le monde. Voilà, bravo. Et c'est la fin de cette première manche, les 10 points supplémentaires et le score de 74 à 73. C'est le quatrième match aujourd'hui de Vivien. Il mène à la fin de cette première partie de jeu, c'est une courte tête. Tout va se jouer maintenant, la deuxième manche. L'affrontement entre nos deux candidats sur les 5 duels que nous allons vous proposer, duels que vous nous avez envoyés, vous toutes et vous tous. Premier duel, un thème pour commencer, Ariel. Ah ben notre cher Gérard Grélier, de Beaupréau, en Mauges, dans le Maine-et-Loire. Ben oui, on l'a dit, on sait maintenant. Mille fois. Jamais premier, attention, c'est dans une famille. Jamais premier dans une famille. Le tirage. I, D, E, P, A, C, U, N, T, E. Oui, Clément. Puinet et Cadet. Bravo, mais oui, Puinet et Cadet. On va commencer par Puinet parce que ça a été le premier. Puinet, né. Après, et puis il est né, c'est-à-dire après l'aîné. Alors, le Benjamin, c'est le plus jeune, hein, vous savez. Et ce mot puiné, qu'on utilise encore, mais surtout dans les mots croisés d'ailleurs, a été remplacé par cadet. Cadet, ça vient du gascon, de capdet, qui signifie chef, capitaine, parce que les capitaines gascons qui venaient servir dans les armées au XVe siècle, armée française bien sûr, étaient tous des enfants puinés. Ah oui. D'où bon, le puiné s'est confondu avec le cadet des familles nobles, hein, bien donc, sûr. Donc, puiné et cadet, c'est le même, c'est le deuxième. Et quand il y en a quatre et que c'est le troisième, comment on l'appelle? Il n'a pas de nom. c'est injuste. On dit puiné. C'est injuste, on dit puiné aussi. Ah, c'est injuste. Et Benjamin, troisième. Vous savez pourquoi Benjamin? C'était le fils de Jacob. Oui, ça veut dire l'enfant préféré. Oui. Ah bon.
D'accord. Le bon. Plus jeune. Il met toujours le doigt là où il y a un souci, hein, Bertrand. Hein. Mais il a raison. Vous avez raison. Il a raison. Eh oui. Une bonne réponse du côté de Clément. Et les 10 points qui vont avec, bien sûr, remontée maintenant de Clément. C'est loin d'être terminé. Voici maintenant le duel d'orthographe. Alors, Jean-Jérôme Gélormini de Tourtour dans le Var propose le mot bailliage. Clément. B-A-I-2-L-A-G-E. Mais non. Ah, cette orthographe a existé, elle a existé, mais on est parti du bailli, hein, qui était un officier de justice qui rendait la justice au nom du roi, et on a ajouté le suffixe âge. Donc, ouais. Voilà, c'est bailli, âge, bailliage, on prononce bailliage. D'accord. Ça a été modifié au moment de l'arrivée du cadet ? C'est ça, en fait. Voilà. Et donc, c'est la circonscription ou le tribunal, le bailliage. Merci. Du bailli. C'est Clément qui a buzzé, qui a donné une réponse. Malheureusement, il y a cette erreur, ce « i » qui a disparu. Et donc, les 10 points, c'est pour vous, Vivien. On a un beau match, une belle deuxième manche. 2 coups ont été joués sur 5. Pour le moment, c'est Vivien qui mène avec ce score de 84 à 83. Troisième duel, qu'est-ce que ça va donner sur ce calcul mental ? Jean-Claude Labrouche de l'Aréole en Gironde nous envoie les opérations suivantes. 129 x 6 plus 126 divisé par 5 multiplié par 15 moins 679. Oui ? 2021. Bravo. Oui. Alors, 130 x 6, 780, moins 6, 774, plus 126, 900, bah, divisé par 5 x 15, c'est multiplié par 3 en fait. Donc, 900 x 3, ça fait 2700, moins 679, 2021, effectivement, il était un peu moins... Vous en étiez où, Vivien ? Quelle opération ? Sur la dernière. Voilà. Sur la dernière, ouais. Il paraissait très difficile, il ne l'était pas tant que ça, mais votre mérite est tout de même grand. Quand même. Ouais, ouais. Ça s'est joué à la rapidité, si ouais. J'ai bien compris, sur Exactement. Ce duel de calcul mental. C'est donc Clément qui inscrit les 10 points. Avec ces 10 points, il repasse en tête, bien sûr. Pour autant, il y a 9 points de différence, 93-84. On y va avec maintenant le quatrième duel, c'est l'un dans l'autre. Il nous faut l'auteur, les indices ensuite. Bertrand. Alors, l'auteur, une dame, Michèle Chardenoux, je vous dirai d'où elle nous l'a envoyé ce duel. Et elle vous demande de trouver un chef-lieu de département, c'est le nom propre. Une cérémonie un peu ancienne, c'est, oui. C'est le nom commun. Le tirage. T-A-M-E-D-O-B. U-N-E. Oui. Adoubement et mende. Oui, bonne réponse. Bravo. Exactement. Oui, l'adoubement, c'était le chevalier, le jeune noble qui devenait chevalier, oui. Qui recevait tout son attirail de chevalier. Bon, ce sont plans encore au sens figuré. Mende, oui, parce que Michèle Chardenoux est de Marvejols, donc en Lozère. Alors, ça n'est pas la plus petite préfecture, mais c'est le département le moins peuplé. Donc, la Lozère, que peut-on dire ? Ben, voyez, il y a tout de même des collines, hein, on est dans les Causses. Et on va voir de plus près cette cathédrale. Il y a, comme à Carpentras hier, regardez cette belle cathédrale gothique. Alors, il faut savoir qu'en plus, au milieu de cette ceinture de boulevard, elle a abrité longtemps la plus belle, la plus grosse cloche du monde chrétien. 20 tonnes, on l'appelait d'ailleurs la non-pareille. Elle a été détruite, je crois que c'était au moment des guerres de religion, car Mende est passée aux protestants, et d'ailleurs on sait que le département est devenu protestant, c'est là qu'est née la révolte des Camisards. On va regarder un autre joli endroit de Mende, le pont Notre-Dame, ou pont du Diable. Alors voyez, Moyen-Âge, eh ben, avec cette forme en accent circonflexe, car il y a le Lot qui est en dessous, et le Lot peut avoir des crues considérables, et donc ben, ils avaient compris que le flux était au milieu de la rivière. Ouais. Et donc, il a été construit en bonne intelligence. En bonne intelligence, voilà. Très bien. Une ville à voir. Une réponse du côté de Vivien. Mende et Adoubement. Merci à Michel qui habite à Marvejols. 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 Marvejols.
Allez. 94, j'ai pas entendu ce que vous me disiez. Marvejols. Marvejols, ouais, c'est ce que j'ai dit. Allez, 93 pour Clément. Un point seulement de différence. C'est maintenant que ça se joue. Alors, vous allez vous affronter pour le cinquième et dernier duel. Vous savez qu'il y a, ça alterne. Et aujourd'hui, c'est un 3 pour 1 que nous allons vous proposer. C'est obligatoirement un mot de 9 lettres, nom propre, nom commun, voilà. 9 lettres obligatoirement et on vous donne une première lettre pour commencer. Un indice. Une première lettre, vous allez jouer les 10 premières secondes pour 10 points. Puis ensuite, une deuxième lettre s'affichera, vous jouerez pour 7 points, puis 5 points. Vous l'avez compris, malgré le tarif dégressif, bien, même en allant jusqu'au bout, il y a un intérêt à ce duel, puisqu'il n'y a qu'un point de différence. J'ai tout dit, Ariel, oui. Il faut dire qui l'indice. Un acteur. Le nom d'un acteur. Alors, la première lettre, H. Et vous jouez pour 10 points. Oui. Rochefort. Bien. Joli. Jean Rochefort. C'est le duel de la victoire pour vous, Vivien. Jean Rochefort, bon, bien sûr, 113 films. Le dernier, en 2015, Floride, avec Sandrine Kiberlin, film de Claude Cherminier, où il jouait un homme qui perdait la mémoire, qui avait la maladie d'Alzheimer. Très beau film. Alors certes, c'était un H, mais j'aimerais vous poser une question. J'essaie de comprendre, parce qu'on essaie de se mettre au niveau. Avec une lettre, la quatrième lettre, c'est un H. Vous trouvez Rochefort instantanément. Ouais, je suis parti avec le C tout de suite avant. Oui, c'est ça, vous avez ajouté le C, oui. Ouais. Oui, mais enfin, tout de même. Un grand nom. Oui, oui, non, mais oui. Bien sûr. Ah, ça, un immense c'est acteur, puis un homme délicieux. Bon, vous étiez sur la piste ou pas du tout? Pas du tout, moi le cinéma... Ah oui, en plus, ça tombait mal. Eh bien oui, bah écoutez, là ça paye, hein, le cinéma pour vous, Vivien, vous marquez les points et surtout, c'est important, vous remportez le match avec ce score de 104 à 93. Match éprouvant pour l'un comme pour l'autre, sachant que pour Vivien, c'est pas terminé. Il y a les mots de la fin à jouer dans quelques instants. Clément, beau match que vous avez joué, ça se perd à peu. Cadeau pour vous. Le Robert vous offre 150 drôles d'expressions pour cultiver son jardin, ainsi que le Petit Robert et le dictionnaire historique de la langue française. De grains de café fraîchement moulus vient le plaisir de la dégustation d'un café expresso. Le plaisir d'un expresso toujours parfait avec l'expresso broyeur des Longhi. C'est peut-être le bailliage qui vous a déstabilisé. Oh non. C'est l'adversaire. Non, il a été un peu plus fort et voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... Oui. Ah oui, non, mais on voit, il y a beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise du côté de Vivien, jusqu'au bout, en étant... Voilà. Oui. Ah oui, non, c'est assez remarquable. Bravo en tout cas pour votre participation. Un bonjour à passer avant de repartir. Oui, bah alors mon épouse, ma fille, ma maman, mes deux sœurs, ma famille, ma belle-famille, les personnes que j'apprécie qui me reconnaîtront, le club du... qui se reconnaîtront, même le club de foot du Val-Beaujois. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. A priori, ouais, oui, je pense que c'est assez complet. Merci Clément. On se retrouve dans un tout petit instant avec Vivien pour une nouvelle participation, quatrième participation. Au mot de la fin, tout de suite. Coup de soleil, petite brûlure domestique. Biafine apaise et soigne les brûlures superficielles et peu étendues. Grâce à sa formule, Biafine accélère la cicatrisation. Biafine, médicament pour brûlures superficielles et peu étendues. Tout médicament peut exposer à des risques, parlez-en à votre pharmacien. Goûtez le gazpacho al vaillé. Un mélange unique de légumes frais, au goût wow. Indescriptible. Al vaillé, aussi que waouh. Sur manomano.fr, retrouvez tous nos modèles de machines à faire des trous. Manomano. Manomano.fr, vous pouvez le faire. Les humains sont des créatures logiques. Quand il n'y a pas beaucoup de place, nous choisissons la plus petite option, comme une petite voiture. Donc, quand nous rencontrons un problème d'audition, il est logique de choisir la plus petite option. C'est pourquoi Amplifon, expert mondial de l'audition, propose AmpliMini, une aide auditive aussi petite que ça. Essayez AmpliMini gratuitement pendant 30 jours. Chez Amplifon, profitez du 100% santé et de notre accompagnement à 100%. Et jusqu'au 30 juin avec nos offres exclusives, retrouvez le bonheur des sons de l'été. Prenez rendez-vous au 0800 128 128. Dispositif médical. Retrouvez votre liberté de bouger. Le nouveau coussinet Epitact à effet bimassant soulage la douleur. Confortact Plus, dispositif médical. Epitact, le soin en mouvement. En faisant les courses de sa grand-mère, Pauline gardait toujours la monnaie. Juste un peu au début. Sa grand-mère fermait les yeux.
Et puis Pauline a commencé à servir dans le porte-monnaie, sans demander. Elle a cessé de faire les courses, mais a continué à prendre de l'argent. Maintenant, ce sont les bijoux. Tu les mets plus, dit-elle. Elle vole sa grand-mère, qui n'ose rien dire, triste et honteuse à la fois. Ça suffit. Brisons le silence. Appelez le 39 77. Femme, on vous aime. Blanche Porte, ma complice mode et maison. J'entendais mal. J'évitais les réunions, les dîners. Et puis, j'ai essayé Audica Full, d'Audica. Et ça a vraiment tout changé. J'ai repris confiance en moi. Je vais à nouveau vers les autres. Je fais ce que j'aime, surtout. Bien entendre, ça change la vie. Découvrez Audica Full, la nouvelle génération d'aides auditives. Tous les sons importants pour vous sont restitués grâce à la puissance de l'intelligence artificielle. Venez les essayer gratuitement chez Audica, dispositif médical. Ce que je vois sur mon visage, ce ne sont pas mes rides, mais le reflet de mon histoire. Lift Plus Végétal Actif est enrichi en ingrédients d'origine naturelle, dont l'acide hyaluronique végétal et la fleur de Bredmafane. Il comble et lisse intensément les rides. Ne comptez plus vos rides, racontez votre histoire. Lift Plus Végétal Actif de Diadermine. Savez-vous que Comme J'aime, c'est aussi Comme J'aime Express ? Votre programme minceur pour perdre rapidement du poids avant l'été. En commençant maintenant Comme J'aime Express, dans 2 mois, vous aurez perdu jusqu'à 8 kilos. Et oui, jusqu'à 8 kilos en moins avant l'été. C'est ce que vous propose le programme Comme J'aime Express. Alors n'attendez plus pour perdre vos kilos superflus avant l'été. La solution, c'est Comme J'aime Express. Rendez-vous tout de suite sur commejaime.fr. Commejaime.fr. Et surtout, n'oubliez pas le .fr. Et si nos histoires de veines s'écrivaient avec d'aplomb ? D'aplomb 500 mg. Efficacité cliniquement démontrée dans les troubles de la circulation veineuse, jambes lourdes, douleurs, impatience. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Alors, faut souffler un peu. Ouais. Après le match, mais pas trop non plus, hein, parce qu'il faut bien rester dedans. Vous allez jouer ces mots de la fin, Vivien, après cette nouvelle victoire. Le montant de votre cagnotte est pour le moment à 900 euros, on est d'accord. Et vous allez jouer sans sésame. Ouais. Vous êtes prêt? Oui. Le chronomètre à 2 minutes pour Vivien. Et le premier tirage pour trouver un 7 lettres. Top. Fermoir. Oui, 100 euros. 8 lettres. Je passe. 9 lettres. Non, je passe. 10 lettres. 1,30. Définition. Définition, c'est bon. 200 euros. 7 lettres. Non, je passe. 8 lettres. Lourde ? Non. 9 lettres. Parrainé ? Oui. 300 euros. 10 lettres. Compassion ? Oui. 400 euros. 10 lettres. Non. Je passe. Nous passons. 9 lettres. 30 secondes. Entraide, non.
Non, c'est pas en trade. Non, je passe. 7 lettres. 10 secondes. Farm. Non. Non, non. Bon, vous avez cassé la magie des 300 euros à chaque finale. Vous êtes à 400 supplémentaires, ce qui fait un montant total de 1300 euros pour vous, alors, Vivien. Il manquait le bourgeon. Vous avez compris que c'était une voyelle pour le verbe, mais c'était attendrir. Bertrand. Maigrir. Et puis les soldeurs. C'est vieux hein, comme mot, au 19e siècle déjà. Déjà ? Bon. Soldats. Ouais. Voilà. Félicitations pour cette nouvelle victoire. Ça n'a pas été la plus simple. Non, très serré. Sensation forte. Hein, jusqu'au bout. Et puis, une jolie cagnotte pour vous. À venir un prochain match. Bien sûr, ce sera avec Vivien. Merci pour votre fidélité. Restez bien sur France 3. Cyril Ferraud vous attend dans un tout petit instant. À très vite.